Vas-y. Attends, je fais un peu. Allez, à toi. Ouais, plie les jambes un peu écartées comme ça en sumo. Ouais, plus grand les mouvements. Ouais, plus vite, plus vite. C'est bien. Ça fait 7 minutes qu'on est sorti. Du coup, on va essayer de rentrer en caleçon. Il est 17h12. On va essayer d'entrer jusqu'à la voiture, on va voir combien de temps on met vu qu'on est un peu étourdi. Et on y va bien sûr en caleçon. Ça fait 15 minutes là qu'on est sorti de l'eau. Moi ça va mieux, mais je me sens pas encore totalement réchauffé là. Ça va toi? Ouais, moi ça va. Personnellement ça va, ça va. On va le marcher comme toi, mais en vrai ça va par rapport à la réflexion et tout, ça passe. Il est 17h25 et on est presque arrivé à la voiture. On a couru. Du coup en 13 minutes on est arrivé presque jusqu'à la voiture. Dernier moment où nous allons devoir enlever nos chaussures. Je sens que ça commence à se refroidir, je pense qu'il fait 15 degrés dehors. Et voilà. Bon, on a dû repasser, on s'est remis un peu à l'eau. Je crois que c'était le plus dur. Moi je vais rester en caleçon encore là. Ah, ça sert plus à rien mec, t'as la voiture maintenant. Il fait 14. Là c'était 40 minutes qu'on est sorti de l'eau. Et moi je me suis jamais aussi vite réchauffé là en vrai. C'est la première fois que j'arrive à me réchauffer aussi vite. Là, je suis complètement réchauffé, bon, sauf au niveau des pieds. Mais au niveau du corps, je me sens bien. Vraiment complètement bien. Et pourtant, ça fait quoi 40 minutes. Je me suis réchauffé deux fois plus vite que d'habitude. Et c'est incroyable.